Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième table ronde de l'après-midi. Content de vous retrouver. Je me présente, William Jacquemot-Beauchemin. Je suis membre co-chercheur de l'Observatoire des médiations culturelles et médiateur à Execo. On se retrouve après cette petite pause aujourd'hui pour une table ronde qui s'intitule Réflexion critique sur la co-construction des connaissances. On aurait aussi pu l'appeler hein, la co-construction, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on va réfléchir à toute cette variété-là d'approches. On va continuer les réflexions qui ont été amorcées aussi plus tôt aujourd'hui. On entend beaucoup co-création, co-construction, co-design, co-développement, co-animation, co-médiation. Donc, il y a vraiment, on peut dire, là, les approches collaboratives, on le vent dans les voiles et ça pose une série de défis, plusieurs questions, les forces de ces approches-là, leurs limites. Les relations de pouvoir qui peuvent se jouer dans la collaboration, la posture réflexive des différents acteurs qui collaborent, mais également la question du rôle de l'artiste, le rôle actif, le rôle passif. Je pense qu'on va être très bien accompagné cet après-midi pour aborder ces réflexions-là, parce qu'on a avec nous trois invités qui ont des approches en termes de co-construction, de co-création. Je vais vous les présenter l'un à la suite de l'autre et ensuite je vais vous présenter le fonctionnement de la table ronde. Donc, on a avec nous, je vais les nommer aussi dans l'ordre où ils vont intervenir. On a avec nous aujourd'hui Caroline Loncol-Daigneau, donc je vous lis sa bio, auteure, chercheure et commissaire indépendante pendant de nombreuses années. Caroline Loncol-Daigneau est conservatrice et directrice artistique à la Galerie d'art Antoine Sirois de l'Université de Sherbrooke. Avec l'écriture comme leur première, elle traque les pratiques de la pénombre et valorise la posture de témoin. C'est dans un esprit d'ouverture et de co-création qu'elle a conçu et dirigé, entre autres, le Champ des Pistes, un événement résidence aux Îles de la Madeleine, une itération du projet sur l'île Têtu en Normandie, la Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli, placée sous le thème de l'hospitalité, Elle marche Blue Mountain, une exposition participative avec l'artiste Vida Simone et avec l'appui de Turbine. Rangé, dérangé, une exposition en co-commissariat avec des enfants présentée à la Galerie d'art Formen de l'Université Bishop. Alors, Caroline, bienvenue. Je t'invite peut-être à ouvrir ta caméra pour qu'on puisse te voir. Je vais également poursuivre pendant que tu fais cela en présentant notre deuxième invité aujourd'hui qui est Stanley Février. Artiste plasticien diplômé en arts visuels et médiatiques, Stanley Février envisage l'art comme un vecteur de changement social et pose un regard aiguisé sur les dynamiques sociales prenant forme dans les sociétés occidentales. Il interroge la valeur de la vie dans un contexte de globalisation à travers des tragédies contemporaines. De fait, motivé par le désir d'activer la conscience collective, il s'approprie et modifie des images, vidéos et photographies de ces drames saisis sur Internet. Par ses installations, performances et projets d'art participatifs, Stanley crée un espace de rencontre où les participants et participantes sont au centre de l'œuvre. Il les amène à se repolitiser et à affirmer leur vécu pour finaliser l'œuvre. Ses récentes préoccupations artistiques et conceptuelles se basent sur la critique institutionnelle, sur les enjeux identitaires, sur la violence, sur les inégalités engendrées par cette dernière. Alors, Stanley, bienvenue avec nous. Je t'invite toi aussi à ouvrir ta caméra. Par le même fait, je vais inviter notre troisième invitée, Janie Bellefeur-Cattouche, à ouvrir sa caméra pendant que je lis sa bio. Pour Janie, originaire de la petite communauté Innu de Natashquan, Janie Bellefeur-Cattouche est diplômée du programme Cinéma de l'INIS et première femme des Premières Nations du Québec à avoir obtenu ce diplôme. Neka Chika Witten Mishkut, son premier court-métrage en 2009, a été primé à Toronto et remarqué dans plusieurs festivals. Elle compte plus de 10 courts-métrages à son actif. Présentement en écriture de longs-métrages avec Bertrand Desrochers, elle souhaite ouvrir des portes pour la prochaine génération de cinéastes autochtones. Janie, c'est un plaisir de t'avoir avec nous également. Alors, comment on va fonctionner aujourd'hui? On va changer, cet après-midi, on va changer un peu le format. Donc, on ne va pas demander à chaque personne de présenter pendant 15-20 minutes, mais on va faire deux tours de table plus courts. Un premier tour de table, on va demander à nos invités, en un exemple, qu'est-ce que c'est la construction pour vous? À quoi ça ressemble? Donc, ils vont avoir chacune 5 à 10 minutes pour nous parler d'un exemple dans leur propre pratique. Au bout de 10 minutes, je vais ouvrir mon micro et vous arrêter. Prenez-le pas mal, je vous dis d'avance, mais c'est simplement pour le bon déroulement. Et ensuite, on va faire un deuxième tour de table, mais là, pour se pencher sur plus sur une approche réflexive sur ces pratiques de co-construction-là, en demandant à nos invités
une force et une limite de la co-construction dans leur expérience ou dans ce qu'ils ont vu comme étant déployé. Alors, je débuterai le tour de table, comme j'ai dit, avec Caroline, si tu es d'accord, avec donc cette question-là en 5-10 minutes. En un exemple, qu'est-ce que c'est la co-construction pour toi? À quoi ça ressemble? À toi la parole. Merci William pour l'introduction. Je vais partager mon écran parce que j'ai des images à partager avec vous. Donc, je pense, vous me direz si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez? Non, hein? Attendez, si je fais ça, est-ce qu'on voit mon écran? Non. Non? Si je fais ça, est-ce qu'on le voit? Alors, on va laisser un petit peu de... Oh, oui, il y a quelque chose qui... Non. Non, c'est moi. Peut-être si tu rafraîchis ta page, Caroline, peut-être que ça va... OK. Le Rémo, là, je le rafraîchis? Oui, tu vas revenir et là, tu pourras partager peut-être. Alors, ça fait partie du jeu, les problèmes techniques, ça fait partie de l'inconfort dans lequel on s'est mis collectivement pour se déplacer, pour faire preuve de créativité. Alors, on va laisser le temps à Caroline de revenir avec nous. Donc, un petit temps de battement que je remplis du mieux que je peux. Alors voilà, Caroline revient. Okay, re-bienvenue. Puis sinon, je le ferai sans image là, si ça ne fonctionne pas. Donc, là, j'ai fait « Share ». Ça ne marche pas. C'est pas plus grave. J'avais envoyé mon PowerPoint à Noémie, si jamais elle a la possibilité de le mettre. Puis, de toute façon, je vais commencer à vous parler un peu du projet. Donc, j'avais plusieurs projets de commissariat qui impliquaient la co-création et j'ai choisi de parler d'un projet en particulier qui s'appelle Ranger des rangées. Et Ranger des rangées, au fond, c'est un co-commissariat, comme William l'a dit, avec des enfants, mais en particulier avec ma fille. Puis, c'est un processus qui s'est déroulé sur environ 3 ans. Donc, il a commencé quand elle avait 2-3 ans. J'étais très inspirée par sa manière de déranger l'appartement, mais vraiment de fond en comble. Vous avez déjà vu des enfants qui ouvrent les portes de la cuisine, qui sortent les Tupperware, mais elle s'intéressait à tous les registres des objets de la maison. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était pas juste de les lancer, mais c'était de les réagencer. Le temps qu'elle passait à les replacer dans l'espace, à créer des agencements entre mes papiers de travail, avec ses petits jouets, avec les trucs de la cuisine. Et puis, donc, ce rebrassage-là des catégories, puis une façon de revaloriser ou d'attribuer des valeurs à des objets en particulier, de les associer, de les inscrire dans une narration, j'ai tout de suite trouvé qu'il y avait une parenté avec le geste de faire un commissariat, parce que c'est souvent ça, au fond, c'est d'amener, tu sais, de créer un cadre de lecture pour des œuvres en particulier, puis de leur attribuer une certaine valeur ou de les agencer d'une certaine manière pour faire sortir un discours, etc. Donc, tout ça, c'était en place, juste dans sa manière de jouer avec les objets. Elle appelait ça les travaux, parce qu'elle était très inspirée par les travaux de construction qu'il y avait autour de chez nous. Donc, c'est à partir de là, se ranger, déranger. Et je lui ai proposé qu'on fasse un projet de commissariat ensemble. J'en ai discuté avec la directrice de la galerie d'art Forman, qui s'appelle Jean-Sienne Bélanger. Puis, on était chez elle. Puis, automatiquement, pendant que je parlais du projet, ma fille, elle s'est mise à créer une espèce de cabane. Puis, elle a enveloppé Jean-Sienne, la directrice, dans un autre cadre, alors virer les tables, les chaises, les couvertures. Puis ça aussi, ça m'a montré à quel point les enfants ont besoin de recréer leur propre cadre pour repenser le monde à une échelle, je ne sais pas, qui leur convient. Donc, je trouvais ça hyper intéressant de voir, OK, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec une galerie. Donc, puis comment, là, c'était toutes les questions, comment on fait pour travailler avec un enfant? Parce que ce qui m'intéressait, c'est que... On est un petit peu perdu, Caroline.
le choix des artistes, l'angle thématique également. Donc, je voulais vraiment l'impliquer à tous les niveaux. Et j'ai souhaité aussi impliquer ses copains de classe, elle était en maternelle. Et puis, donc, c'était toute une classe de maternelle qui s'est trouvée jumelée au projet. Donc, il y a toujours eu le cœur qui était avec ma fille. Et ensuite, on avait 16 enfants de maternelle. Je trouvais ça particulièrement intéressant parce qu'en maternelle, les enfants, ils commencent à décoder le langage écrit. Puis, donc, ils commencent à écrire puis ils commencent à lire. Mais ils ne sont pas encore tout à fait dans cette compréhension, cette codification-là. Donc, c'est encore un espace de jeu pour eux, les lettres, etc. Donc, ça, je trouvais que c'était vraiment un pivot intéressant. Et puis, donc, je me suis associée à l'organisme Turbine pour faciliter le rapport avec le cadre scolaire, parce que c'est quand même un défi de dire qu'on va travailler avec une classe de maternelle. C'est très, très rigide comme cadre. En tout cas, l'école avec laquelle je me trouvais à travailler, c'était aux 5 minutes, les activités étaient planifiées. Nous, il fallait qu'on fournisse à chaque fois un plan d'activité, mais pourtant, mon souhait, c'était pas d'impliquer les enfants dans un cadre, c'était plutôt avec eux créer un nouveau cadre. Donc, j'aurais aimé vous montrer des images, là, mais bon, parmi les outils que j'ai utilisés pour faire dialoguer les trois espaces que j'ai voulu mettre en relation, qui sont la maison, la classe et la galerie, parce que je voyais que les enfants, là, les lieux d'expression qu'on leur autorise comme participation au monde, c'est souvent la maison puis l'école. En dehors de ça, je trouve que leur champ d'influence est très, très restreint. Donc, là, en rajoutant la galerie, j'ai voulu trouver une manière de faire circuler entre ces espaces-là. On a créé une maquette, vraiment une maquette à l'échelle de la galerie d'art, et qui était en bois et qui correspondait un peu à les petites maisons de poupées, par exemple. Donc, on avait les socles qui étaient tous à l'échelle. Et cette maquette-là, je l'ai laissée vivre dans la classe pendant toute l'année scolaire pour que les enfants puissent jouer un peu avec ces espaces-là, mettre leur toutou, mettre des dessins. Donc ça a été un des outils qui a été développé pour leur permettre de jongler sans imposer. Ah, merci Noémie. Donc ça, c'est l'affiche de Ranger Déranger. La chambre, la classe, la galerie, comme je mentionnais. Ça, c'est un exemple des fameux travaux. Puis je vous dis, ça occupait vraiment toute la surface de la maison. Il y a 6 pièces, là, ça allait partout. Puis c'était très, très, très méthodique. Et donc, c'est cet esprit de ranger-déranger-là qui est venu. Ça, c'est la directrice de la galerie au moment où on a décidé qu'on allait faire ce projet de co-commissariat. On peut changer d'image. Ici, au tout début du processus, j'ai voulu investir, ou comment dire, poser les bases de la collaboration en m'inspirant d'une œuvre de Dennis Oppenheim, qui est la prochaine image, je crois, ou l'autre d'ensuite, poser les bases de la co-création. En fait, on voit, c'est l'idée de l'horizontalité, puis c'est l'idée, par exemple, où moi, je dessine dans le dos de ma fille dessine dans mon dos, et on est à l'écoute l'une de l'autre, on essaie de retranscrire le geste. Donc, c'est une œuvre de 73 de Dennis Oppenheim, c'est une vidéo. Au fond, où il se mettait à l'écoute de la gestuelle de son enfant, puis il s'en faisait le prolongement. Donc, cette espèce de mutualité-là dans l'écoute, on l'a vraiment mise en pratique parce que je ne voulais pas être dans le discours avec ma fille, lui dire « voici comment on va travailler », mais plutôt « allons-y, on va l'expérimenter ». Donc, ça a été très, très important de faire ça dès le début. J'avais vraiment tout retiré dans la cuisine pour que ça reproduise un peu le cube blanc de la galerie. Une espèce de mise en abîme là, pour se mettre dans le bain. Donc, on peut avancer dans les images un peu. La maquette dont je vous parlais, qui a été un outil vraiment important qu'on a trimballé partout. Dans les visites d'atelier aussi, on amenait la maquette. Quand je faisais des réunions à la maison, on avait la maquette. Donc, toujours rester dans... visite d'atelier, oui, on peut y aller. Donc, comment faire le choix des artistes? Ce que je faisais, c'est que je faisais en sorte que ma fille et les enfants
choisissent comment ils allaient décorer, comment ils souhaitaient accueillir, c'était quoi les questions qu'ils allaient poser. Puis quand on faisait des visites d'atelier, c'était en fait de mon côté, beaucoup de lâcher prise, à savoir qu'est-ce qui va vraiment intéresser les enfants. Est-ce que ça va être les œuvres qui vont être montrées ou ça va être finalement, je sais pas, un petit détail. Puis c'était souvent le petit détail qui n'a pas rapport sur le côté, mais j'ai essayé de vraiment me laisser porter par justement ce rebrassage des valeurs qui vient avec le regard d'un enfant. Puis on peut avancer encore. Ça c'était un moment dans une visite d'atelier où ma fille est allée se cacher en dessous d'une table parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais cette idée de se cacher en dessous de la table, ça a été un motif aussi qui est apparu beaucoup dans l'exposition puis tout le long du processus. Donc, il n'y avait comme jamais de mauvaise réponse ou d'erreur parce que c'est un processus d'observation. Ici, c'est à l'école. Le premier geste qu'on a fait pour entrer dans le co-commissariat avec les enfants, on a reproduit le périmètre de la galerie. Puis ensuite, on l'a fait éclater. Donc, les enfants se sont mis à jouer avec les, justement, avec les frontières et avec les rubans. Puis on recrée des nouvelles formes. Donc, tout de suite, ils sont rentrés dans le geste. Donc, c'est sûr, nécessairement, on leur a suggéré certaines activités, mais c'était un peu comme un déclencheur. Ça, c'en est un. Ensuite, il y a des trucs qui sont venus d'eux. À partir de ça, ils ont suggéré de « OK, bon, on va prendre les fils, puis on va attacher les objets dans notre classe, puis on va créer des liens entre les objets. » Donc, ils ont créé tout un nœud. La prof était à bout de nerfs. Ça a été vraiment difficile pour elle, mais les enfants, ils se sont éclatés. Fait que ça, c'était assez drôle. Il y avait des fils partout. Puis après, il fallait tout dénouer. Puis là, ils se promenaient comme dans une toile d'araignée. Puis ça a été reproduit aussi dans la galerie. Donc, à chaque fois qu'il y avait des motifs, je les notais. Puis ça s'est construit un petit peu comme ça. Ils ont créé une cabane. Ils ont empilé la table, la chaise. Encore une fois, c'était très difficile pour la professeure. Là, ça fait partie des limites. On voit la petite maquette là, dans la classe. Cette cabane-là, elle va apparaître dans l'exposition également. Ça va devenir une espèce d'espace pour regarder une vidéo. Donc, vous allez le voir un petit peu plus loin. On a invité la graphiste Julie Espinas à venir faire un atelier. Puis, ils ont joué un peu avec les notions de graphisme, comment on va écrire le texte. Donc, ils ont créé leur propre police, par exemple. Ça aussi, ça c'est venu s'immiscer dans l'opuscule, dans les outils de communication. Donc, j'essayais de faire en sorte qu'il soit présent vraiment un peu partout. Même dans mon texte, j'ai écrit un espèce de texte réflexif à la fin. Mais ma fille est rentrée, mais elle ne savait pas écrire encore. Puis là, elle est venue comme un petit peu brouiller tout ça avec des « ah », toutes sortes de lettres qu'elle avait envie d'appuyer. Puis je l'ai laissé tel quel. Donc, il y a ça, ce parasitage, disons, de... Je vais te demander de conclure pour le premier tour de parole, Caroline, si tu as quelques phrases encore à dire. Quelques phrases? Non, je pense que c'est bon comme ça, ça donne un petit aperçu. Je montrerai plus de photos tantôt. Super, merci beaucoup. Désolée pour le problème technique. On pourra reprendre le PowerPoint tout à l'heure si tu le souhaites. Je pense que ça va être très intéressant d'embarquer dans la discussion. Je sais qu'il y a d'autres personnes autour de la tête qui font de la co-création avec des jeunes, donc on pourra y revenir peut-être tout à l'heure. Stanley, je t'inviterai maintenant à prendre la parole pour ton premier tour de table. À toi, là. Bonjour, merci. Moi, j'ai un peu le même problème technique dans les tests. Je n'ai pas pu utiliser le partage d'écran. Par contre, j'ai mis des liens. Le premier lien du projet que je vais parler, si quelqu'un peut aller directement, je vais ajouter un autre lien. Je vais naviguer entre ces trois projets pendant qu'on va parler. Je le diffuse sur l'écran? Exactement. Parfait, je vais faire ça. Le premier lien, ouais. En ce qui me concerne, la co-création pour moi, comme une bonne partie de mon travail, c'est une grande participation de l'autre. Je ne crée pas dans un studio, j'en ai un, oui, mais le travail est fait quand les autres prennent part et y participent. Et une façon de le faire souvent, c'est d'offrir ma personne. Dans le projet qu'on va voir, pas ce lien, le premier malheureusement.
Exemple, exactement. Dans ce projet-là, qui s'appelle The Silence Ring, mon idée, c'était de trouver, d'offrir mon corps. C'était une performance où ce que je m'offrais et les participants devraient venir utiliser l'encre qui coulait du parapluie de mon corps et décrire un événement, quelque chose qu'ils ont vécu, qu'ils n'avaient jamais dit à personne. Ils avaient deux choix, soit le partager avec le public ou de brûler. Donc, pendant quelques heures, je suis resté dans cette position-là et j'ai attendu jusqu'à ce qu'une première personne brise la glace. Et ce qui était intéressant à savoir, c'était le nombre de gens qui avaient vraiment des choses qu'ils portaient en eux depuis très, très longtemps. Donc, une autre chose que ça me permet de faire la co-création, dans un premier temps, c'est d'amener l'autre à accomplir un geste, une action qu'il n'aurait jamais fait sans la mise en place de ce dispositif. Deuxième chose, c'est aussi d'enlever les gens de montrer des capacités, de montrer des possibles. Et la co-création aussi permet de remettre en question le rôle, le statut de l'artiste lui-même. Parce qu'il n'est pas... Moi, je suis l'objet de ces gens. Et je n'étais pas en positionnement en tant qu'artiste qui vient avec quelque chose. J'étais là. Et eux, ils devraient m'utiliser à leur guise et en faire soit un dessin. Et si on descend plus bas, il y en a un qui s'est mis à me dessiner, je crois. Il en a fait, lui, tout le long, parce que j'étais une espèce de modèle vivant pour lui. Et il a dessiné tout le long de la performance. Après, il a établi tous ses dessins dans l'espace. Ce que ça me permet de comprendre quand je fais une co-création, c'est qu'est-ce que l'art dans ma pratique et jusqu'à quelle limite je reste encore un artiste à ce positionnement-là. Et le deuxième projet qu'on pourrait voir, c'est mondialisation. Et l'aspect de mondialisation est intéressant parce que là, je travaillais avec un groupe de jeunes qu'à tous les jours, on devrait déterminer ensemble qu'est-ce qu'on fait. On se réunissait. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai commencé à discuter avec eux. « Oh, savez-vous, il y a un 7e continent. Est-ce que vous savez ce que c'est? » Donc, ils m'ont dit non. Oh, je leur ai dit « OK, on va regarder des vidéos sur YouTube à ce sujet. » Donc, on s'est mis à regarder des vidéos et je leur ai dit « Nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme action? » Donc, on a été proche de l'autoroute, la 132, sur Marie-Victorin, au bord de l'eau. Finalement, les jeunes se sont mis à récupérer plein d'objets plastiques, des choses que les gens abandonnaient au bord de l'eau. Et on ramenait ça dans un espace d'atelier. On a commencé à créer des sculptures avec tous ces projets-là. Et la majorité des jeunes, tous, ils n'avaient jamais entendu parler. Donc ça, c'est un projet de médiation qui me permettait de voir comment aussi on peut, à travers la co-création, non seulement de faire participer les autres, mais en même temps de faire une passation de savoir et d'apprendre en même temps d'eux et d'être à l'écoute de ce qui se passe. Et plus tard, les jeunes ont pu utiliser tous les déchets pour faire une série de photos, d'autoportraits. Donc, on s'est mis à vraiment à s'amuser avec le côté tragique de la situation environnementale. Et l'autre projet que je vais amener... c'est une performance qui s'appelle « It's happening now ». Donc, j'ai invité les artistes dits de la diversité avec moi à faire une infiltration au Musée d'art contemporain de Montréal. Donc, c'était la journée où l'art allait triompher, tout comme beaucoup d'artistes comme moi, issus de d'autres communautés ethnoculturelles, il y avait un manque de représentation. Donc, c'était la place pour faire tous ensemble. On allait s'approprier d'un grand musée et faire entendre qu'on est là, on existe, on est présent. Donc, ça a été une mobilisation de différents artistes et on a exécuté une performance entraînant les rapports annuels du MAC les 50 dernières années jusqu'à ce qu'on se rende au musée. Et on a passé ça aux déchiqueteuses.
Pour ma part, j'essaie d'établir, même si c'est une co-création, il y a quand même un cadre, je dirais, une ligne directrice. Et après, sur le coup, on agit, on laisse devenir les possibilités. Donc, chacun s'approprie, donne une orientation vers comment on va aller. Il y a une personne qui a même pu écrire un manifeste, le manifeste des invisibles. Donc, ça a été quelque chose d'intéressant qui a ajouté plus dans le projet. Il y a une école, il y a un cégep, le cégep Marie-Victorin. Les étudiants en art ont pris part. C'est eux-mêmes qui ont créé les drapeaux, l'Arc Triomphe. Donc, il y a eu plusieurs communautés qui se sont mises autour du projet. Donc, finalement, ça m'a permis de ne pas être seul en tant qu'artiste. C'est ça qui est... que la co-création permet de faire, c'est d'ajouter un nouveau regard. Ça vient enrichir le projet et surtout donner plus de poids et ouvrir vers d'autres horizons et atteindre d'autres publics. Et déjà, si jamais j'aurais pu travailler avec le cégep Marie-Victorin en dehors de ce projet-là, s'il n'y a pas eu cette mobilisation, et la triomphe a triomphé finalement, tous les gens présents qui passaient sur la rue Sainte-Catherine, prenaient un drapeau et ils cheminaient avec nous dans l'action. Donc, je n'aurais pas grand-chose à dire là, à moins que vous ayez des questions. Tu as déjà dit beaucoup, Stanley, ces trois projets fort intéressants. J'arrête le partage d'écran. Donc, trois projets très, très pertinents. Je pense que ça va être intéressant aussi dans le deuxième tour de t'entendre sur les forces et les défis que tu rencontres. Mais avant cela, il nous reste une personne. Et non la moindre, Janie Bellefleur, qu'elle touche. Alors, pour toi, Janie, à quoi ça ressemble la co-construction? La balle. Bonjour, excusez-moi, c'est parce que si je me mets la face de côté parce que je baillais depuis tantôt, je pense que c'est mon café, j'en ai bu deux à ma tête, là, comme ça a sorti de mon corps, là. Fait que là, je préfère être honnête et je préfère le dire. Fait que bonjour tout le monde. Moi, la co-construction, c'est la co-scénarisation, dans le fond. Moi, je suis en train d'écrire plusieurs projets avec plusieurs personnes. On essaie de faire des films. Moi, c'est ça que je fais dans la vie. Je suis cinéaste. Mais je suis médiatrice chez Execo. J'adore la gang d'Execo. C'est toute ma gang d'humains préférée dans le monde entier. Sinon, je suis responsable mobilisation à Wapikoni. Aussi traductrice, je fais plein de choses à la vie. Mais dans le fond, moi, j'aime beaucoup co-travailler, co-construire des trucs. Moi, j'aime beaucoup co-scénariser en ce moment. J'avais une idée, long story short, j'ai eu une idée, je suis partie à Bali il y a 2 ans, je suis revenue, j'avais une idée, j'en ai juste parlé à un de mes amis. Ça c'est comme resté comme ça. Sinon, l'année d'après, en pandémie, il m'avait reparlé de mon idée en me disant que ce serait une bonne idée d'en faire un film. Puis là, on s'est rendu compte qu'en travaillant à deux sur cette idée-là pendant la pandémie, pendant qu'on essayait de comme, trouver une manière de comme, briser l'isolement puis tout ce que la pandémie a amené, on a découvert que cette histoire-là, on essaie de construire des ponts entre nos nations. Donc, moi, je suis autochtone. Lui, c'est un allochtone québécois, pure laine. Moi, je suis une autochtone de la nation Innu. Et dans notre film, on a beaucoup mis l'emphase sur la discussion, la communication, briser les clichés, parler des différences, parler de nos ressemblances. Pour moi, c'est comme ça que je vois la co-construction. La co-construction, dans le fond, moi, j'arrête pas ça de comparer ça comme une maison. T'sais, on a tous les instruments, les outils, le bois, le bardeau, tout. Mais si tu le fais tout seul, ça va être long, mais tu peux le faire à ta manière. Mais si tu le fais à deux, à plusieurs personnes, et on s'entend sur la même idée et qu'on demande de l'aide et qu'on en discute, on communique, moi, c'est comme ça que je vois la co-construction. C'est aussi le fait que pas juste à travers les nations, mais dans nos nations aussi, entre les personnes en général. J'imagine que c'est comme des fois pour développer des idées ou comme discuter de plein de choses, tu sais, pour construire une relation.
ça se fait à deux. Donc, mon Dieu, je suis en train de donner un. Je suis en train de me tasser de mon sujet. Mais la co-construction, pour moi, c'est. Je pense que j'imagine aussi, c'est comme ça, se comprendre aussi dans les mots. Moi, je suis beaucoup dans la définition des mots, dans l'étymologie, si je comprends bien ce que tu veux dire par tel mot. Parce que des fois, il y a la mauvaise communication et on ne s'entend pas et ça peut mal aller. Et finalement, c'est juste partie de la mauvaise compréhension des mots. Et voilà. Sinon, j'ai co-réalisé un projet avec des jeunes de sixième année il y a quelques semaines. C'est eux autres qui ont trouvé le scénario, c'est eux autres qui m'ont proposé des images, c'est eux autres qui ont écrit des textes. Moi, je leur aide à faire le film en tant que tel. Aussi, ça a servi de base de communication pour me parler de mon identité en tant que femme autochtone. Ils m'ont posé beaucoup de questions par rapport à ma culture, les croyances, les légendes. Sixième année, ils posaient des questions très pertinentes. Je suis très étonnée par leur brillance, par leur intelligence. Ils sont super gentils, super doux, super. Ils sont super sweet. Et le fait aussi que comme ils ont eu un accès à quelqu'un pour qu'ils puissent poser leurs questions. Et moi, dans la construction de quelque chose, je mets toujours la table. Je dis que moi, je suis comme ça, je suis comme si. Si tu veux poser des questions, sens-toi à l'aise. Il faut être ouvert d'esprit aussi, mais il faut être à l'écoute aussi. Parce que je pense que c'est important d'aller dans les deux sens aussi pour co-construire quelque chose. C'est comme ça aussi que ça va dans les films aussi, dans mes films, dans tous les projets que je fais. J'essaie toujours d'apprendre sur l'autre pour savoir si on peut co-construire quelque chose ensemble malgré nos différences dans la vie en général ou nos personnalités ou des affaires comme ça. Fait que c'est pour moi je trouve ça plus facile, honnêtement, de faire la co-scénarisation ou la co-réalisation parce que moi, je pense que un message passe plus fort et plus wide, plus large, si on le fait à plusieurs. Comme ça, on peut co-construire une relation partout. C'est comme ça que je vois la vie, moi. Si on se met tous ensemble, puis qu'on discute ensemble, puis qu'on se met à s'entendre sur les mêmes choses et qu'on comprend la même chose, je pense que c'est comme ça qu'on peut co-construire des relations partout. Surtout moi, je sais que je peux amener des choses à d'autres personnes parce que j'ai peut-être des choses que d'autres n'ont pas. Je sais pas. Je lance ça comme ça. Fait que voilà, je sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre. Je pense que j'ai fait le tour. William, sauve-moi. Oui, ben écoute, tu te débrouilles très bien tout seul. écoute, j'entends dans ce que tu dis la question de la réciprocité aussi qui est importante, le fait d'être dans une relation donnant-donnant dans cette co-construction-là, le fait de créer des ponts, de se comprendre dans ce qui est en ces ponts-là, mais aussi qu'il y a quelque chose qui peut en sortir comme un scénario, comme un film. Alors, si ça, c'est toi sans ton café, on ne t'imagine pas avec le café. Merci, Janie. Alors, on Ça, partirait c'est une avec autre un histoire. deuxième. Ouais. On passe avec un deuxième tour de table maintenant. Et là, je vous invite à prendre une posture. Vous avez présenté des projets très, très stimulants. Les trois projets que vous avez présentés, Stanley, de la co-création à l'état très, très vif. Caroline, toi, le co-commissariat, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très stimulant, surtout par rapport à d'autres choses qu'on a vues au cours de l'école d'été. Là, je vous demanderais d'aborder peut-être une posture plus réflexive sur ces pratiques-là, sur les vôtres, mais sur ces pratiques de co-création-là en général. Et la question pour ce deuxième tour de table, c'est est-ce que vous pouvez nommer une limite et une force des processus de co-construction, soit les vôtres, soit en général? Et donc, une limite, une force pour qu'on puisse rentrer dans une analyse un peu ensemble. Et ensuite, on ouvrira la discussion au public. Alors, Caroline, je te proposerais de commencer pour ce deuxième tour de table-là. Si vous voulez que je partage l'écran, n'hésitez pas à le dire, je le ferai. À toi, la balle, Caroline. Je trouvais ça super inspirant là, de vous entendre
par rapport à une force, je rebondirai un peu sur ce que Janie a dit, c'est-à-dire, je pense que c'est fondamental là, qu'on apprenne à se parler puis qu'on apprenne à collaborer. Puis, même si c'est inconfortable, même si c'est pas toujours agréable, même si on souhaite signer et contrôler les paramètres de ce qu'on énonce, il y a quand même, ça me semble tellement important que je me dis, il faut apprendre à le faire. Puis, dans ma pratique, par exemple, quand j'écris, c'est là que j'ai le plein contrôle sur les choses, puis c'est très satisfaisant, quand j'écris un texte, par exemple. Mais quand je fais un commissariat, je le vois vraiment comme un outil d'apprentissage, puis qui, j'espère, va me transformer, va transformer ma compréhension de ce qu'est l'art, va transformer ma compréhension de ce qu'est mon rôle, va venir jouer dans mes prétentions, etc. Puis j'espère aussi que ça va avoir le même effet pour un peu tout le monde. Tu sais, qu'il y a vraiment un potentiel transformateur de l'art quand il est envisagé dans une perspective comme celle-là qui permet de... C'est ça, de rebrasser un peu les codes, puis de sentir qu'on est partie prenante de ce changement-là. Et pour moi, c'est important que chaque composante d'un projet ait cet effet-là. Puis dans le cadre de Ranger Déranger, j'ai eu l'impression que pas mal de tout le monde qui s'est mouillé ou qui a participé à ce projet-là, les artistes ont été brassés, la direction de la galerie, la prof, les enfants. Puis en même temps, on a tous appris ensemble. Puis c'était pas nécessairement... Oui, il y a des faiblesses là-dedans, mais c'est de l'apprentissage. Puis c'est de la... Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui en émerge, à mon sens. Donc, c'est comme si la force et la faiblesse viennent ensemble. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai envie de partager pour l'instant. Donc, on apprend, on se fait brasser, ça peut nous déranger, mais on progresse quand même là-dedans. Donc, c'est intéressant, tu déjoues ma question, la limite est une force, cette capacité-là d'être une expérience transformatrice, mais de laquelle on ne sort pas nécessairement indemne, si j'ai bien compris. Ouais, oui, puis peut-être que ce que je peux ajouter aussi, c'est que, comment dire, ouais, il n'y a pas d'erreur. Mais le processus en tant que tel permet d'aller toucher où sont les limites. Puis si on n'avait pas fait l'expérience, on n'aurait pas su son où les limites, un peu comme où les limites. Ouais, c'est ça. Un peu comme tu sais, le vent qui va venir jouer dans les feuilles d'un arbre ou le vent qui va modeler les nuages. C'est quelque chose d'invisible, mais on en a besoin pour voir. Fait que c'est un petit peu un outil pour avancer, faire un constat. Puis c'est un petit peu comme ça que je l'envisage. Donc, beaucoup basé sur l'observation dans ma posture personnelle, c'est beaucoup moins de dire des choses que de me mettre un peu en retrait puis d'observer et de m'intéresser à ce qui se produit. Voilà. Oui, ça résonne pour moi, toute cette capacité-là de la co-construction à aussi ouvrir des possibles. Ça dévoile des limites, mais ça l'ouvre des choses qui n'étaient pas possibles autrement. Je te passerai la balle cette année, toi. Est-ce qu'une limite, une force des processus de co-construction, qu'est-ce que tu en penses? Je partage beaucoup les idées de Caroline, mais un des points forts, je crois, c'est au niveau de force, non seulement l'apprentissage et le partage, mais jusqu'à où est la limite de l'artiste de donner sa place? Jusqu'à où, lorsqu'on a une idée, un concept, on va non seulement donner la place, mais faire de la place, donc créer des espaces de rencontre. Et c'est ce que je vis actuellement dans un des projets que je fais avec des femmes dans différents centres de violence, en tant qu'homme qui a initié le projet, donc je ne peux même pas être présent dans le projet. Donc, je suis complètement exclu et il y a une totalité, donc j'ai trouvé ça très, très intéressant comme apprentissage, comme expérience d'avoir travaillé sur un projet et le projet évolue et je suis dans l'ombre, on me donne juste des comptes rendus. Et de voir comment c'est nouveau pour moi de ce genre de co-création. Je parle avec quelqu'un, l'autre personne transmet et on me transmet.
mais je ne vois jamais les gens avec qui je travaille en soi. Donc, c'est toute une expérience nouvelle. Donc, je pense que c'est une force plutôt parce qu'elle crée la rencontre du possible, la rencontre de choses qu'on n'imaginerait jamais vivre en tant qu'artiste. J'ai jamais pensé d'être exclu dans un projet auquel je participe, mais tout en étant là, en arrière du rideau. Puis ça permet aussi de voir ceux qui travaillent fort aussi, toujours, puis on n'entend pas parler, qui n'ont jamais le spot sur eux, qui... c'est d'autres postures. Sinon, qu'est-ce que je dirais? Je ne crois pas qu'il y ait de faiblesse. Je pense qu'il y a un peu d'incompréhension parce qu'on ne saisit pas ce qui se passe. Ça nous prend du temps parfois. Parce qu'on sort dans plusieurs zones de confort, ce qu'on voulait, l'idée qu'on avait dans la co-construction ou des objectifs, ça se modifie tellement. Est-ce qu'on est assez prêt, ouvert pour aller vers autre chose? Donc, c'est là que je parlais de laisser la place et donner place. Donc, il y a un côté transformateur que j'aime beaucoup dans l'art. D'ailleurs, c'est mon parcours d'où je viens. Il faut qu'il y ait une transformation, que ce soit pour moi, chez l'autre aussi, qu'on arrive à accomplir quelque chose qui va être visible socialement avec des retombées. Je ne parle pas d'économique, hein, affectif, émotionnel ou prise de pouvoir. Moi, j'utilise, quand je parle de pouvoir, c'est la conscience du jeu, d'être conscient quel est mon rôle, quelle place que je peux exercer au sein de la société, comment mes actions peuvent avoir des impacts, comment je peux prendre une posture sociale tout en étant moi-même et conscient de l'autre qui est le nous, comment tout ce partage se fait. Donc, chaque projet me permet de questionner et de remettre en question tous ces acquis qu'on croit que nous avons de qu'est-ce que l'art, comment des projets doivent se faire. On est toujours, on a des préconçus, là, on en a tous dès qu'on fait un projet. Mais la co-création permet de nous dévier complètement de ce qu'on a pensé et à aller vers autre chose. Et c'est ça la plus grande force, l'humilité. Est-ce qu'on va dire aux gens bac ou non, c'est comme ça que je le voyais. Donc, c'est, pour ma part, c'est ça. Merci Stanley, c'est très pertinent, tu finis sur l'humilité, puis c'est aussi à ça que je pensais comme artiste, d'accepter que son œuvre, on y touche même plus finalement, qu'elle est dans les mains d'autres personnes qui la suivent, c'est un geste d'humilité qui va sans doute être assez riche, on pourra en revenir pendant la période de discussion sans aucun doute. Avant cela, encore une fois, je te passerai maintenant la balle, Janie, pour te poser cette même question. Pour toi, qu'est-ce qui est une force, qu'est-ce qui est une limite peut-être des processus de co-construction? Moi, je ne sais pas si je peux appeler ça des limites, mais je pense que moi, quand j'ai créé avec mon ami Bertrand Desrachers, où son film, il va être dans le cinéma, aller le voir à Brixton Test, c'est vraiment fort. Je fais une petite blog en même temps. Mais quand je co-écris avec mon ami Bertrand, je sais que lui, il a sa façon d'écrire. Il sait que j'ai une façon d'écrire. On a deux façons très distinctes d'écrire. Moi, je suis très imagée. Lui, il est très textuel, un peu intellectuel. Moi, je suis un peu dans les images. Fait que les deux se rejoignent beaucoup ensemble. Je pense que c'est le fait que aussi, quand quelqu'un propose quelque chose, des fois, si on ne se sent pas comme à l'aise, justement, comme Stanley le disait, c'est comme la limite où est-ce qu'on peut aller dans ça. Comme exemple, dans notre film qu'on est en train d'écrire, Bertrand avait proposé une scène d'accident. Moi, je suis pas très scène d'accident dans la vie. On s'était dit, est-ce que ça va être quoi les limites de production? Ça va être quoi? Il faut penser aussi aux limites aussi du budget d'une production d'un film. Où est-ce qu'on peut aller? Il faut prendre conscience de tous ces espaces-là aussi, de toutes ces limites-là aussi, qu'on les prenne en considération. Au début, j'étais comme, je suis pas sûre de ta scène d'accident, mais il m'explique son point, plus j'adhère à son point. Pour qu'elle soit là aussi, il faut qu'on accepte d'écouter l'autre, qu'est-ce qu'il nous propose, et après,
s'il y a un moyen de comme l'intégrer sans que ça nous affecte d'une façon ou d'une autre. On a une scène d'accident en primaire, je vous le dis. Mais c'est pas comme vous le pensez. C'est pas comme un gros avec des explosions et tout du feu et toutes les affaires comme ça. Mais il y a une scène d'accident. Et je pense que c'est le fait aussi que comme quand on co-construit avec quelqu'un, je pense que l'idée aussi en premier, c'est d'accepter ce que l'autre a proposé comme idée. Si on peut discuter là-dessus, trouver un terrain d'entente dans une co-construction, une co-création aussi. Où est-ce qu'on peut aller aussi et prendre conscience des autres limites de d'autres espaces aussi parce que veut pas à un moment donné, si on veut intégrer, exemple, un accident, si on aurait mis un accident avec plein du feu, est-ce que ça aurait été à la limite des personnages, du monde technique, est-ce que ça aurait été too much? C'est comme prendre aussi en considération aussi ce qu'on a autour pour que ça soit accessible pour tout le monde en premier. Et que ça soit facile à faire aussi pour tout le monde. Et je pense, le fait aussi que, je dirais pas ça que c'est pas une limite, mais je pense pousser nos limites, je sais pas si je vais avoir du sens dans ce que je vais dire, mais pousser nos limites justement dans le sens où, moi, j'étais pas à l'aise dans l'idée d'avoir un accident dans le film, mais il va y avoir une scène d'accident. Mais, c'est comme on s'est entendu là-dessus. Je pense que c'est comme tout construire en même temps la scène et qu'on soit d'accord là-dessus jusqu'à temps qu'on arrive à nos limites chacun. Est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut aller aussi? Il y a ça aussi. Sinon, la force, je pense que la force dans une co-construction, si on s'entend bien avec la personne avec qui on co-construit ou les autres personnes, si on s'entend tous là-dessus et qu'on peut aller plus dans la bonne direction et tous ensemble et qu'on se comprenne aussi. Je pense que c'est beaucoup dans la compréhension aussi de ce que les autres personnes peuvent amener. Et sinon, les faiblesses, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des faiblesses. Peut-être non, je pense qu'il ne faut pas regarder comme ça, comme s'il y a d'autres faiblesses. Je pense que le plus, moi, que je trouve le plus important, c'est de se focusser sur les forces de chaque personne, ce que peut amener, et pour l'utiliser à son plein potentiel, et où est-ce qu'on peut aller dans ce potentiel-là. Fait que je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais je pense que c'est à peu près ça. Sinon, discussion, communication. Communication, pour moi, c'est super important. J'adore la communication, je veux que ça soit clair pour tout le monde en tout temps. Si je ne comprends pas, je le dis. Je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer? Et comme ça, on s'entend là-dessus, tout le monde, en même temps. Voilà! Génial, merci Janie. Ça rejoint cette question de l'humilité que Caroline et Stanley ont aussi abordé à leur manière d'être capable de sortir de sa zone de confort. Savoir reconnaître quand on comprend pas ce que l'autre essaye d'amener dans la discussion. Puis j'entends aussi peut-être qu'on pourra l'amener dans la discussion avec le public, mais j'entends aussi dans ce que tu dis peut-être plus que dans ce que Caroline et Stanley disaient, la question de la négociation. Surtout quand on écrit un scénario, par exemple, ensemble, il y a des choses où est-ce qu'il faut qu'on co-construit, oui, mais avec un aspect de négociation qui peut être assez fort. Oui. Alors, maintenant, peut-être que je proposerais qu'on ouvre la discussion avec le public. Il y a déjà des gens qui sont manifestés pour vous poser des questions. Si jamais vous voulez intervenir parce que des choses qui ont été dites qui résonnent, c'est aussi le bienvenu. Je pense que Dani va pouvoir donner tout d'abord à Fitzgerald Louis l'autorisation d'apparaître sur l'écran. Rappelez-vous la formule magique dans le chat. Je veux prendre la parole, j'ai une question et on vous donnera. À toi la parole, Fridget. Donc, merci. Merci à tous les panélistes pour cette belle présentation. Ce fut très bien. Mais j'ai une question pour Stanley que je voulais rencontrer il y a de cela bien des années, mais malheureusement, je n'ai jamais eu cette chance et je le croise ici. D'abord, je dois avouer que j'ai lu votre mémoire
à l'UQAM. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et c'est ce qui m'amène à vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous a initié à la co-création? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce courant? Merci. Ça fait écho. Maintenant, c'est mieux? OK, ça ne fait pas écho. Je crois que c'est, je dirais, c'est un vécu. Moi, je suis le résultat de co-création de plusieurs personnes qui ont contribué à faire de moi ce qui je suis. C'est drôle, mais je ne peux même pas en parler, mais je vais répondre de manière franche parce que moi, j'ai vécu enfant dans la rue et plusieurs personnes ont contribué à me nourrir et à participer, à me faire grandir et tout ça. Et je pense que ça vient de là. Je pense que c'est important de faire des actions qu'on sait que d'autres ne feront pas si on ne leur donne pas la place. Et pour ma part, il n'y a pas, je crois aux possibilités, je ne crois même pas à l'impossible. Je ne me vois pas comme un super-héros. Qu'est-ce que je me vois, c'est quelqu'un qui a plein de rêves. Et ces rêves-là, il y en a d'autres qui les ont. Mais malheureusement, ils ont cru à ce qu'on leur a dit. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est bien trop gros, ça. Oh. Alors, en étant un canal, l'art peut permettre, à travers l'art, tout est possible parce que c'est un espace qu'on croit imaginaire, mais qui est tellement réel, finalement. Et donc, la co-création me permet de mettre en place des espaces de rencontre où ce que tout devient possible. C'est ce qui m'a amené là de comprendre que je suis artiste dite de la diversité, on me parle d'inclusion, on me dit certains mots, mais sauf que après 33 ans au Québec, la question était, c'est pas de l'inclusion qu'il faut qu'on me parle, il faut qu'on me dise pourquoi on n'a jamais voulu me voir, pourquoi on n'a jamais voulu accepter que j'étais là et je suis. Alors, c'était ça les vraies questions. Alors, plutôt de parler de ces choses-là, ça m'a permis de faire écrire un mémoire pour tous ceux qui sont comme moi, où ce que j'ai demandé qu'il y ait un partage de pouvoir. Donc, qu'il fallait aller au sein des institutions, aller voir qui les gère, qui prennent les décisions, qui me nomme diversité, de qui ça vient, qui définit ces mots. Donc, c'était ça là, qui était différent dans mon approche. Donc, il fallait maintenant, aujourd'hui et dans l'avenir, chaque Québécois, Québécoise de d'autres origines qui constitue le Québec doivent avoir, être en positionnement de pouvoir au sein des institutions. On ne peut plus avoir une homogénéité blanche. Donc, c'était ça qui m'a amené à faire de la co-création, à permettre aux gens à la rencontre du jeu. Puis, on m'a mis à la rencontre du jeu quand j'étais enfant. C'est quelqu'un qui m'a amené à sa table parce que j'étais quelqu'un dans la rue, hein, dans mon pays, en Haïti, où ce que j'ai grandi une partie de ma vie. J'étais un moins que rien, mais la première personne qui m'a dit « Viens, assis-toi », et je m'en rappelle le geste, mais cette personne-là m'a fait comprendre que j'étais quelqu'un. Et voilà, c'est ce que j'ai compris et j'ai gardé ça en moi. Voilà pourquoi la co-création est importante. Merci Stanley. Fitzgerald, est-ce que tu veux réagir? Je te laisse la possibilité, tu n'es pas obligé. J'allais dire, quand est-ce que vous pourrez passer au syndicat? Peut-être que nous pourrions développer cela plus en profondeur, parce que j'ai appris que vous aviez l'habitude de fréquenter le syndicat. Je n'entends pas Stanley, je vois que tu réponds, mais tu es sur mute. Je pense que le mieux, ce serait de vraiment me donner un rendez-vous. Parce que si c'est moi qui vais le faire, ça va être possible, je n'aurai jamais le temps. C'est drôle, mais c'est comme ça. Si tu me dis t'es là, je vais faire oh, OK, qu'est-ce que je peux faire? C'est le mieux. Actuellement, c'est le mieux. Sinon, je suis tout le temps dans mon studio parce que je prépare 4 expos solo, donc je ne sors pas. Je suis très pris dans la production actuellement.
Mais il faut juste que vous me donnez un rendez-vous, puis ça va être comme ça. Ouais. On vous laisse vous connecter peut-être par chat sur le côté. Merci Stanley, pas besoin d'être désolé pour ta réponse, elle est très éclairante. Hein, parfois, il faut passer par le personnel, le récit, pour faire comprendre des choses que juste théoriquement, on ne comprendrait pas. Donc, on te remercie au contraire pour cette confiance. Je vois qu'il n'y a pas de personnes qui ont nécessairement voulu prendre la parole dans le chat. N'hésitez pas si vous voulez. Moi, j'ai peut-être une question pour Janie et Caroline. Vous avez deux approches assez différentes, une en co-commissariat, une en co-réalisation, co-scénarisation, mais avec des jeunes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence? C'est quoi la différence principale, vous pensez, entre co-créer avec des adultes et co-créer avec des jeunes? Est-ce qu'on est plus ouvert avec des jeunes qu'avec des adultes où on mettrait davantage ses limites, par exemple? Est-ce que les jeunes, on les suit coûte que coûte? Est-ce qu'on peut mettre des limites aux jeunes quand ils ont... c'est sûr que le projet, Caroline, que tu nous présentes, c'est un projet où le concept de base, il a dérangé l'espace, il a dérangé. Mais qu'est-ce que ça change faire de la co-construction avec des jeunes par rapport à des adultes? Alors, je ne sais pas si l'une de vous deux est inspirée, un coup d'inspiration et voudrait prendre la parole, débloquer son micro. Alors, je pense que Janie te cède la parole, Caroline, alors je t'inviterai à y aller. C'est exigeant quand même de travailler avec des jeunes, avec des enfants, parce que nécessairement, ils comprennent les choses un peu différemment, puis les codes différemment. Donc, puis comme tu l'as mentionné, William, c'est un projet rangé-dérangé où vraiment je souhaitais me retirer quand même si c'était une collaboration, il y avait quand même une volonté de retrait de ma part, puis d'être plutôt là en appui, en soutien à des voix que je trouve qu'on n'entend vraiment pas suffisamment parce qu'elles ne s'énoncent pas d'une manière qu'on est habitué d'accueillir, qu'on ne sait pas comment accueillir finalement. Donc, moi, j'ai été là pour créer des réceptacles pour qu'ils puissent, que ces voix-là puissent être entendues. Puis, je dirais effectivement qu'on a tendance, en tout cas moi j'ai eu tendance à démontrer peut-être plus d'ouverture, mais en même temps c'est un enseignement, c'est eux qui m'enseignent ça au fond, d'avoir plus d'ouverture dans les collaborations, dans les échanges, d'être plus attentif, parce que si je restais fermée avec mes idées, par exemple, tu sais, je m'installais avec ma fille, OK, là, il faut qu'on fasse le plan de salle, puis là, elle s'en allait ailleurs, puis elle allait jouer dans le parc. Mais finalement, si j'étais assez patiente, ben, elle était en train de le refaire, le plan de salle, mais à sa manière, en jouant sur les roches. Ça me demandait toujours de recadrer ma façon de penser. Donc, vraiment une plasticité du cerveau là, que ça amène. Puis ça me fait penser, je pense que Stanley l'a évoqué aussi, cette idée du retrait. Que je trouve intéressante. Là, je m'écarte un petit peu, mais je voulais le mentionner parce que c'est une définition de l'esthétique. Là, c'est plate, j'arrive pas à me souvenir du philosophe. C'est une personne qui écrit en esthétique puis qui définissait même la notion d'art comme étant de soutenir les voix qui sont les plus ténues. Donc, de se faire porte-voix. Ça peut être, par exemple, comme quelque chose qu'on a envie de dire soi-même, mais aussi ce que les autres ont envie de dénoncer, puis d'être là pour vraiment juste soutenir. Déjà ça, c'est comme la première pierre d'un geste artistique. Puis je trouve que des fois, c'est en masse. Hein. Donc, voilà. Merci, Caroline. Moi, souvent, je pense à la citation de Hans-Georges Gadamer, « Quand la médiation est totale, elle s'efface. » Donc, quand on réussit vraiment à créer des ponts, eh bien, on n'a plus besoin d'être là pour les soutenir. Les ponts, ils sont là et les gens, ils passent dessus sans besoin de médiation. Ça résonnait ça pour moi, ta réponse. Janie, je te poserai la même question. C'est quoi qui est particulier à faire de la co-construction avec des jeunes, de la co-scénarisation, de la co-réalisation dans ton cas? Moi, je pense que ce que j'ai appris avec j'ai fait des Trickster avec Execo, j'ai fait des projets aussi dans ma communauté. Je pense que c'est le fait aussi que les jeunes ont une vision de la vie un petit peu plus légère, je pense. Je pourrais dire le terme léger.
dans le sens où ce qu'il ressent, c'est vraiment un petit peu plus primaire, c'est plus les choses vraiment comme la peur, l'amour, la joie, le bonheur, c'est comme un petit peu plus comme c'est général, tandis que plus on vieillit, plus on est capable de différencier entre la peur, l'angoisse, le stress, la joie, le bonheur, tu sais, on est capable de comme, après ça, de comme tout séparer tous ces sentiments-là. Je pense que le fait aussi avec les jeunes, moi, ce que j'aime faire avec les jeunes, je pense que c'est le fait qu'ils sont un petit peu plus... Ils ont un petit peu plus de facilité à s'exprimer en ce qui concerne comment ils ressentent les choses, comment ils ressentent la vie, comment ils ressentent des trucs. Ils m'ont beaucoup... Comme Caroline l'a dit, j'apprends beaucoup avec eux. Même si on se dit adulte, des fois, les jeunes nous apportent une nouvelle vision de la vie. Et moi, je suis très proche de ma nièce qui a 11 ans. Elle vit beaucoup de choses dans toutes la vie de toute jeune adolescente. Elle vit beaucoup de choses. Donc, même si je sais que j'ai vécu la même chose qu'elle, elle le vit différemment. Et comme juste le refaire aussi ce chemin-là avec elle, ça me donne l'impression aussi de comme revoir une partie de moi que j'avais laissée de côté longtemps, nos petits-enfants intérieurs, comme on appelle, et comme retravailler aussi avec cette personne à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est comme un peu thérapeutique aussi. Et le fait que aussi les jeunes... Ils sont super beaux, les jeunes. J'aime beaucoup travailler avec les enfants parce qu'ils apportent une autre vision de ce qu'on pense, on a vu, mais eux autres, ils l'amènent d'une autre ouverture, d'une autre façon, d'une autre vision. Et c'est ça qui fait comme, oh, à chaque fois que je travaille avec eux, c'est comme, oh, OK, c'est comme une nouvelle illumination à chaque fois. Et c'est pour ça que plus tard, j'aimerais beaucoup comme contribuer à la prochaine génération de jeunes cinéastes, parce qu'on n'en a pas beaucoup de cinéastes autochtones. Et mon rêve le plus ultime, à part gagner l'Oscar, c'est d'avoir une équipe technique autochtone pour qu'ils travaillent sur mes plateaux de tournage ou autres, dans d'autres plateaux de tournage aussi, parce qu'on n'en a pas beaucoup de main-d'œuvre autochtone. C'est pour ça mon prochain rêve aussi. Donc pour moi, les jeunes... veut pas, c'est des êtres humains si on apprend à les écouter. Donc voilà. Merci, Janie. Il y a quelque chose comme encore la réciprocité dont tu parlais tout à l'heure, que les jeunes puissent apprendre des adultes, par exemple, à distinguer des émotions, des choses comme ça, mais que les adultes puissent aussi apprendre des jeunes peut-être un sens de l'étonnement ou de l'épatement qu'on peut perdre rapidement en grandissant. Alors, je vois, Anaïs, que tu t'es joint à nous. Je t'inviterais à prendre la parole et voilà. Allô tout le monde. Moi, j'ai une question. Vous parliez de co-création. Il y a eu 3 cas différents. Est-ce que, pour Caroline, c'est en lien avec ce que sa fille faisait chez elle, mais pour vous, en général, comment démarre un projet de co-création? Est-ce déjà une idée fixe sur quoi vous voulez parler? Ou est-ce au fur et à mesure de la co-création, qu'il y a quelque chose qui émerge? Ça, c'est une première question. Et autre question, on parle de la différence jeune-adulte. J'aimerais avoir votre vision sur comment on peut approcher le travail avec des personnes handicapées, parce que je présente mon cas. Je suis maintenant coordonnatrice aux activités pour auprès de personnes en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Donc, on parle beaucoup de ça et comment la co-création peut se mettre en place avec des personnes qui ont un langage différent, qui sont plus jeunes, qui sont plus vieux, qui sont entre deux. Et comment vous voyez un peu cette approche et comment vous sentez que votre démarche pourrait... être enrichi avec ça et comment vous émerge l'idée qui va aboutir au projet final. Merci. Merci Anaïs. Donc, plusieurs éléments dans la question. Est-ce que quelqu'un se sent inspiré pour prendre la balle au bon? Comment débute un projet de co-construction? Comment travailler avec des personnes qui peuvent être neuroatypiques, déficience intellectuelle, autisme? Donc,
quelqu'un sans partant? Sinon, je vais vous nommer. Hein, Janie, vas-y. Je vais y aller parce que ça va être super simple. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu vraiment de projet avec des personnes qui sont neuroatypiques ou autres. Mais un jour, peut-être que j'aimerais beaucoup travailler avec ces personnes-là parce que je sais qu'eux autres, eux aussi ont une autre vision de la vie, une autre perspective aussi. Et je pense que c'est le fait aussi que, comme vu, ça pourrait nous confronter à ce qu'on se connaît, comment qu'on est en tant qu'être humain, mais avec une autre perspective. Je pense que ce serait un très beau défi pour moi. Je pense qu'il faut laisser la place aussi, se retirer un peu, mais je pense le fait aussi qu'on peut supporter dans sa façon de s'exprimer, je pense que ce serait vraiment important aussi. Fait que voilà, moi, c'est à peu près ça ce que je voulais dire. Merci, Janie. Je ne sais pas, Stanley, si toi, tu veux... J'avais fait un projet avec des personnes âgées. Juste écouter, j'ai posé des questions à savoir c'était quoi leur métier, qu'est-ce qu'ils faisaient. Oh, c'est là que j'ai vu qu'il y en a une qui chantait, il y en a un qui jouait au piano. Donc, j'ai comme rassemblé tous ces gens ensemble et ils se sont mis à jouer, à chanter, à donner un spectacle aux autres personnes âgées. Donc, je pense qu'il y a deux façons de faire aussi. Soit on a déjà une idée, puis on partage, puis on reçoit, ou on est à l'écoute de l'autre, de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment ils peuvent mettre leur, je mets en guillemets, talent ou leur savoir-faire, surtout dans le cas des personnes âgées, parce qu'ils sont là, le temps passe, personne ne sait leur bagage, dans quoi ils excellaient quand ils étaient jeunes. Ils avaient la santé. Mais il y a aussi l'autre manière, parce que je suis en train de travailler avec une autre artiste, une co-création d'une maison d'édition. Donc, on crée des nouveaux mots. Et ça se fait, les mots viennent. Et après, ensemble, on discute pour trouver la définition du mot. Donc, je sais pas, moi, exemple, un des mots qui a été trouvé, vu qu'on était artiste, que José, l'artiste, c'est José Dupuis, qu'elle a établi, c'était « zoomissage ». Comment il fallait sortir du vernissage et créer des zoomissages. Donc, il fallait trouver une définition ensemble. Donc, on a discuté, on a créé des mots. Donc, il y a plusieurs façons de faire, là. Je pense qu'il n'y a pas une façon pour faire une co-création. J'adore ce zoomissage. On a eu la chance hier d'avoir un zoomissage, justement, d'une expo qui venait juste de finir dans Charlevoix. Donc, merci. Quelqu'un pourra peut-être mettre le nom exact de la galerie. Ça m'échappe pour le moment. Caroline, ouais. J'aimerais te passer la parole, peut-être, et à une question, en pensant à la question de Alexandra Tourigny-Fleury, donc, qui dit « Au cœur de ton travail, se situe l'idée de redonner une part de l'espace social et politique aux enfants. » Est-ce que tu peux élaborer un peu, c'est quoi finalement l'intention de redonner cet espace aux enfants? Tu nous as parlé de la jeunesse tout à l'heure, donc je te ramènerai pas là-dessus, mais peut-être sur cette question-là plus politique ou sociale. À toi la parole. Oui, merci Alex pour la question. En fait, que ce soit des enfants ou des autistes ou des artistes dont on dit qu'ils sont de la diversité, je pense qu'on est dans un espace social qui est beaucoup trop lisse, qui a beaucoup trop d'exclusion. Puis, si je me tourne sur la place des enfants dans la société, comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai réalisé en ayant un enfant que c'était déjà tout prévu où est-ce que mon enfant serait jusqu'à sa majorité, jusqu'à ses 18 ans, puis qu'au fond, il y aurait peut-être des moments où on pourrait faire semblant qu'il participe à la société, mais pour moi, c'est comme toujours pris... C'est comme s'il n'y a pas la possibilité que les enfants aient vraiment voix au chapitre, qu'il y ait vraiment impact. Même les parcs de jeux sont prévus pour eux. Tout est toujours cadré, donc ça ne percole pas dans... C'est ça, alors que, comme on l'a mentionné, ils ont beaucoup à apporter comme toute personne, en fait, parce que j'y crois vraiment que chaque personne a une contribution à faire à l'ensemble. Et puis, donc, c'est hyper important pour moi que
que cette exposition-là permette de jouer sur les paramètres, par exemple, tu sais, que ça crée des frictions, par exemple, même sur la capacité d'accueil de la galerie. Puis Alexandra faisait partie de l'équipe d'accueil, puis je sais que ça a posé des défis, mais c'est important pour moi qu'on puisse... est-ce que c'est possible de s'assouplir un peu puis de changer nos manières de faire pour accueillir l'autre? Fait que c'est... puis je trouve que ça n'a aucun sens de penser que notre vie active, elle se situe pendant l'âge adulte, puis que quand on est rendu des personnes âgées, ben là, on est placé puis on ne participe plus. Puis quand on est des enfants, on est en train de se préparer à participer, alors que tout est déjà là en présence. L'intelligence est là. Puis c'est la même chose pour, par exemple, une personne qui aurait des troubles de l'autisme, par exemple, si on se donne la peine de passer du temps avec cette personne-là, puis d'être vraiment à l'écoute de sa manière d'exprimer ou de ce qu'il a exprimé, des fois, c'est pas tant le contenu que la manière. Mais ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de d'écoute, puis... C'est un peu comme ça que je perçois. Puis je trouvais aussi, pour ce qui est du cadre artistique, vraiment, de côtoyer les enfants, ça m'a permis de repenser ma manière de travailler. Puis ma manière aussi, parfois, de créer des séparations là où il n'y en a pas, par exemple, parce qu'ils voient quelque chose de poétique ou d'artistique dans des trucs qui normalement n'entreraient pas là. Puis, donc, ça a fait tout un beau rebrassage, comme je disais tantôt aussi. Puis, pour moi, c'est fondamental. On a besoin d'assouplir les séparations, les segmentations avec lesquelles on vit qui créent de la souffrance. Puis l'art doit jouer ce rôle-là, à mon sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Alexandra, mais... C'est un petit peu ce que j'ai en tête en ce moment. Oui, c'est une très bonne réponse. Puis je pense qu'élargit aussi plus largement qu'aux enfants spécifiquement, et qui pose la question peut-être aussi que Stanley posait tout à l'heure, de comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble en société avec toutes les formes de socialisation, toutes les trajectoires différentes qu'on a. Donc, je te remercie, Caroline. On arrive à la fin tranquillement. Je veux, s'il y a quelque chose, Janie, Stanley, Caroline, que vous voulez dire, vous dites, j'ai besoin de dire ça avant qu'on parte, sinon je vais m'en vouloir. C'est votre chance dans les prochaines secondes d'ouvrir votre micro. Sinon, tranquillement, Louis Jacob va se joindre à nous pour expliquer la prochaine étape. Avant ça, je veux vraiment vous remercier tous les trois pour votre grande générosité cet après-midi, nous parler des projets que vous avez tenus, mais aussi le regard que vous portez là-dessus, les forces, les faiblesses. Je pense que c'est très nourrissant pour tous les participants et participantes à l'école d'été. Alors, un grand merci.